Aujourd'hui, on part dans l'espace avec les Polly Pockets. Voici un Polly Pocket espace, comme je l'ai dit. Ici, il y a le Polly Pocket avec nos deux poupées. Voici la poupée qu'on trouve pas vraiment dans tous les paquets, parce qu'il y en a une deuxième avec les cheveux roux. Et elle, on la trouve carrément dans tous les paquets. Ici, nous avons un petit robot qui a l'air bien joyeux. Et ici, une machine. Voici derrière, ça me présente un petit peu, vous voyez. Bon, on va commencer par l'ouvrir. Bon, voilà, j'ouvre tranquillement. Bon, là, c'est le dernier parce que c'est impossible à ouvrir sinon. Hop. Et voilà, le Polly Pocket. Ici, nous avons la carte qui nous montre tous les Polly Pocket, je pense. Ouais, tous les Polly Pocket. Voici tous les Polly Pocket. Là, c'est le nôtre, celui que j'ai ouvert aujourd'hui. Et aussi, j'ai aussi lui, mais je ne l'ai pas ouvert. J'en ai aussi un que j'ai ouvert, mais je ne vois pas. En fait, il y en a deux autres que j'ai ouverts, mais je ne le vois pas dans la carte ici. C'est pas grave. Oh, ben, ils sont élastiques, c'est parfait. Voici l'ami de la Polly Pocket qu'on voit dans tous les paquets. Et voici la poupée qui est dans carrément tous les paquets. Carrément tous les paquets. Même si c'est Rikiki, elle est toujours cette Polly Pocket. Voici le robot. La machine où elles peuvent se mettre toutes les deux et rouler dans notre planète. Ici, nous avons des autocollants. Si vous ne savez pas sur les autocollants, en fait, les Polly Pocket, elles se collent. Exemple. On choisit lui. Voilà, ça se colle. Et ça reste immobile après. Voilà. Maintenant, j'appuie derrière pour l'ouvrir. Et voilà, mon Polly Pocket est sorti. Ça, c'est pour le tenir en. On s'en fiche. Voilà, vous voyez mon Polly Pocket. Ici, nous avons le lit avec des plantes, une base, tout et tout. Hop, ici nous avons hop là, le je sais pas ce que c'est ça. Si vous savez, vous me le dites. Voici un drapeau Polly Pocket. Ici, nous avons un bouton qui nous fait soulever des cristals. Ils sont beaux ces cristals, dis donc. Un fauteuil de Polly Pocket. Ici, nous avons une petite navette Polly Pocket. Ou ici, je mets ma Polly Pocket et ouh, ça part. Et voici, ici, nous avons une petite étoile qui tourne. Et ça nous montre plein de petits trucs. Voici, ici, nous voyons ceci. Si vous ne voyez pas assez bien, voilà. Après, nous voyons ceci, un petit extraterrestre ici dans le coin, si vous ne voyez pas. C'est pas tout. Ah, ici, des extraterrestres, une nouvelle planète. Ah oui, ici, nous avons la planète multicouleur. Et voici, de nouveau, nos astronautes. Voilà, nous avons fait le tour de mes petits objets. Donc, ça, pour que vous sachiez, ça roule ici. Si vous n'avez pas vu, regardez ici, il y a des traces de roues, n'est-ce pas? Et voilà.
Donc, je vais installer et on pourra commencer à jouer. Oh, en fait, j'ai oublié de vous montrer ça, en fait. Comment ça se ferme. C'est comme ça que ça se ferme. Voici notre fermeture. Et derrière, c'est écrit Polly Pocket. Notre étoile filante. Hop. Et je l'ouvre. Voilà. Hé, copine. Oui. Moi, j'aimerais bien partir dans l'espace. Maintenant qu'on s'est beaucoup entraîné, c'est l'heure d'y aller. Oui, oui, on va mettre notre combinaison. Hop, hop, hop. Et voilà. On est super jolie. Allez, on va dans notre navette. Bip, 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 bip. Moi, je monte à l'étage. D'accord. De toute façon, j'ai envie de dormir. Ouh! Et voilà, on est arrivé. J'ai bien dormi, moi. Oh, c'est trop beau. Moi, je vais mettre le drapeau. Pam! Cool! Dedans. Ah, un extraterrestre! Bonjour, moi je m'appelle Philippe et j'aime bien les humains. Et j'adore les bonbons des humains. Merci, j'en veux un tout de suite. Sinon, je m'énerve. Oh non, vite un bonbon. J'en ai dans ma boîte. Eh, je m'avais pas dit. Tiens, je suis pas énervée, mais je suis très fatiguée. Moi, je fonce dans votre lit. Hé, arrête, tu n'as pas le droit. Bah, vous pouvez aller dans ma navette. Oh, cool. Bah oui, mais moi, j'ai envie de dormir, ne me dérangez plus. Oui, c'est moi la première. Cool. Je suis un extraterrestre. Ouais, c'est cool. Moi, je vais ici. Ouais, na, 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 na. Ah, oh, regarde, des cristals. Ouh, ouh. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. C'est trop bien, des cristals. Boing, 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 boing. Cool. Trop bien. Hé, hey, petit, réveille-toi, réveille-toi. Oui, je suis debout. Ouais, ouais. Réveille-toi, allez, descends. Tu savais qu'il y avait des cristals dans ta planète? Bah oui, ça c'est ma planète. Je sais tout sur ma planète. Bip, bip, bip. En fait, je sais aussi quelque chose. Là-bas, il y a une planète très, très, très belle. Mais je ne peux pas y atteindre à cause que je n'ai plus mes ailes. Oh, alors tu vas venir. Alors on va construire une fusée. D'accord. Moi, je vais aller dans cet endroit si confortable qui est dans votre navette. Ça s'appelle un lit. Bon, viens, on construit une navette. Et voilà, la navette est construite. Oui, hurra, hurra, je vais dans cette planète que je vois là-haut depuis très longtemps. Eh, tu nous avais pas dit que tu parlais aussi normalement. Mais non, je ne parle pas normalement, je parle que en bip, 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 bip. Allez, viens, toi tu vas là-dedans. Non. Alors, tu vas à l'intérieur de la navette. Oh, ben non, tu rentres pas. Ah, j'ai une idée. Hop. Et tu viens dans mes bras, toi. Moi, je vais dans la navette. Ok, comme tu veux. Ouh! La planète multicouleur, je suis enfin dessus. J'ai gagné, j'ai gagné. Allez, on redescend.
Ok, mon beau. Fermeture de la navette. Oh non, je voulais aller dans cet endroit si confortable. Oh, ça va, c'est pas si confortable que ça. Oh, la planète, elle se voit mieux maintenant. Oui, je sais. Non, mais je parlais pas de la grosse planète là qu'on vient d'aller voir. Je parlais de cette planète là. Oh, cette planète, d'accord, j'avais pas compris. Ah! Allez, sors, copine. Ouais. Bon, moi, je vais prendre notre machine pour chercher d'autres trésors. Ouais, viens, on va dans la machine. Et moi aussi, j'y vais. Toi, tu veux pas plutôt aller dans notre lit confortable? Oui, le truc super confortable. Je veux y aller tout de suite, tout de suite, tout de suite. Waouh, il adore nos lits. Voilà. Hop, la 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 la. Oh, je détecte un nouveau trésor là-bas. Oh, bah c'est le trésor qu'on avait vu tout à l'heure. Oui, moi je descends. D'accord. Moi je vais aller regarder s'il ne fait pas des bêtises là-haut. Ça va, tu dors bien, tu fais pas de bêtises? Ah, c'était bon, cette balade. Ouh, ouh. Ouh, c'est trop bien. Copine, copine, viens voir, regarde, appuie là-dessus. Oh, c'est trop cool. Les cristaux, ils deviennent plus grands. Cool. Et voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour s'amuser? Parce que moi, je suis venue ici juste pour m'amuser. Je sais, on va aller marcher sur la croûte. Ouais, c'est trop bien ton idée. Stop, pouce. Les amis, pour que ça avance là, pour que ça tienne, en fait, je vais mettre un autocollant. Hop, ici, j'y mets. Et voilà, maintenant, mes Polly Pocket, regardez. Elles sont collées là-dessus comme si elles marchaient. Hop. Et je vais aussi mettre un deuxième autocollant pour faire un petit peu réel aussi. Ça, l'autocollant extraterrestre pour qu'elle se colle aussi. Tu sais, pour faire comme si... Ouais, c'est trop bien, ouais. Bon, on recommence. Ouais, viens, on marche. Bon, je prends nos cases dans la navette. Hop, pouf. Moi aussi, je prends le mien. Hop, pouf. J'y vais, moi. Et hop. Ouais, c'est trop bien marcher là-dessus. C'est vrai que c'est bien de marcher dessus. Oh, je vois mon ami l'extraterrestre ici, là-bas. Ouais, là-bas, regardez, il nous fait salut de la main. Extraterre, tu m'as tellement manqué, mon pote. Ouais, allez, on joue. Allez, on joue, joue, joue. Oh non, extraterre, tu passes où? Oh bah nul, mince, cool. Pourquoi je dis cool, moi? Parce que t'es bizarre. Eh, c'est méchant, ça. Moi, je vais dans la navette. Ok, comme tu veux, copine. C'est toi qui décides, en plus. Moi aussi, moi, j'y vais ici. Moi, j'ai envie d'aller voir la Terre, tu sais quoi?
D'accord, on y va. Et regarde, elle est là-bas, la terre. Je la vois, regarde. Bon, les amis, si vous ne voyez pas ici, elle est juste là, la terre. Hop. Ah, regarde, un nouvel extraterrestre. Salut. Salut, petite soeur, ça va? Oui, grand frère. T'es un garçon, je crois. Je pensais que t'étais une fille. Ah, je suis un garçon, ça se voit quand même, hein. Oh, la lune, elle est là. Regardez la lune. Ah oui, la lune, elle est là. Je l'avais pas vue. Et ici, il y a la planète rose. Ah, cool. Et ici, il y a la navette du chef. Oh non, un tourbillon planète. Vite, tout le monde dans la navette. C'est quoi le tourbillon de navette? C'est cette boule noire là-bas. La planète, elle est en mille éclats, elle va exploser. Tout le monde dans la navette. Oh non, vite. Moi, je vais dans la navette ici. Ah, moi aussi, mais il n'y a plus de place pour Globes. Eh, je m'appelle pas Globes. Ben, on t'appelle comme ça. Parce qu'on n'a pas le temps ici, maintenant. Oh, ben non, je bloque. Moi, je me mets là, alors. Oui, tout le monde dans la navette. Moi, je vais dans ma navette extraterrestre. Rien à craindre. Et en fait, je me suis trompée, elle n'a pas explosé, c'était une planète normale qui n'explosait jamais. Arrrr, tu m'énerves parfois. C'est la première fois que je t'énerve. Oui, c'est la première fois que tu m'énerves. Quoi, c'était pas une planète qui allait exploser ou quoi? Bah, c'est moi qui va exploser bientôt. C'est pas de la rigolade. Une fois une planète a explosé, j'ai dû rester là dans 3 jours. Ah, d'accord, c'est pas la rigolade. Oh, regardez des autres personnes comme nous. Salut! Salut! Wouh! Ah, une nouvelle navette. Pouf! C'est trop bien cet endroit. On voit plein de choses. Un tourbillon. Cool. Ah, oh, il fait bientôt nuit chez nous sur la Terre. On est déjà resté 2 jours. Il faut qu'on parte. On est désolé. Au revoir. Oui, au revoir. Moi, je pars dans cette navette. D'accord, moi, je pars dans la fusée. Ok. Et voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.